Plus de 70% de la surface terrestre est couverte d'eau. Les eaux bleues des océans abritent une immense variété de créatures vivant en harmonie les unes avec les autres. L'une de ces créatures est un compagnon des plus attachants. Le dauphin. Le dauphin est l'animal marin le plus intelligent. Il est amical et fidèle. Il nous comprend très bien et sait obéir aux ordres. Son corps est une véritable merveille. On voit souvent les dauphins à la surface de l'eau. En réalité, ils passent la majeure partie de leur temps au fond des océans où la visibilité est réduite et la nourriture rare. En fait, les dauphins voient mieux dans l'obscurité complète que nous ne voyons clair en plein jour. Comment les dauphins font-ils? Dieu a créé les dauphins en les dotant d'un système complexe qui leur permet de se diriger grâce au mouvement des ondes. Selon la terminologie scientifique, il s'agit d'écholocation. Afin de comprendre comment cela fonctionne chez les dauphins, nous devons examiner leur tête. Le dauphin respire par son évent situé au-dessus de sa tête. Juste en dessous de cet évent se trouvent des petits sacs d'air. En faisant passer de l'air à travers ces sacs, le dauphin émet des sons aigus. Les sacs d'air agissent comme un miroir acoustique, le son produit étant concentré par les petites bosses de graisse sous l'évent. Ces vibrations d'écholocation sont envoyés à brefs intervalles dans la zone environnante. Les vibrations émises renvoient un écho lorsqu'elles rencontrent un obstacle. Les dauphins sont très attentifs à ces échos. Le récepteur de ces ondes de son se situe sur un point de la mâchoire inférieure, appelé la fenêtre acoustique, qui transmet ensuite l'information acoustique à l'oreille moyenne et finalement au cerveau, afin qu'elle soit interprétée. En analysant les échos, les dauphins peuvent déterminer la distance, la taille et le mouvement d'un objet rencontré.
Le système d'écholocation permettrait même aux dauphins de dessiner une carte des océans. Grâce à ce système de sonar parfait, le dauphin peut passer au crible les fonds marins au même titre qu'un instrument électronique. Une telle technicité dans un être de chair et d'os prouve que Dieu est le créateur de ce chef-d'œuvre. Depuis des millions d'années, les dauphins utilisent la technologie du sonar que les êtres humains n'ont découverte qu'au XXe siècle et utilisent aujourd'hui dans les sous-marins modernes. Il est impossible qu'une créature parvienne à se doter de ce merveilleux système par sa propre volonté. Cette performance incomparable des dauphins est la preuve que Dieu en est le créateur. Chez les dauphins, le sonar à haute fréquence n'a pas pour fonction unique de détecter des objets dans la mer. Il leur permet également de chasser. En envoyant de fortes ondes sur les bancs de poissons, les dauphins brouillent leurs proies qui se laissent alors facilement prendre. L'arme redoutable des dauphins neutralise les poissons qui deviennent également la cible des oiseaux marins. Les dauphins utilisent également leur système de sonar pour s'envoyer des messages jusqu'à 220 km de distance. Ainsi, un dauphin dans le Bosphore peut communiquer avec un autre dauphin dans les Dardanelles. Ce merveilleux outil sert principalement à trouver des partenaires et à prévenir d'un danger. Dieu a créé chaque être vivant avec l'appareil visuel adéquat. Les êtres humains ont des yeux merveilleux qui leur permettent de voir sur Terre. En revanche, sous l'eau, leur vision devient floue. Cela tient au fait que l'œil humain ne parvient pas à faire la mise au point sous l'eau. C'est pourquoi nous utilisons sous l'eau des lunettes de plongée qui bloquent de l'air autour de nos yeux. Sans ces lunettes, nous ne pouvons pas voir clairement sous l'eau. De la même manière, les êtres humains utilisent des appareils photo sophistiqués pour prendre des photos sous-marines. Les yeux des dauphins, comme ces appareils photo spéciaux,
peuvent voir aussi bien sous l'eau que hors de l'eau. Dotés de lentilles élastiques qui s'élargissent et se rétractent, ils font la mise au point sous et hors de l'eau, ce qui est essentiel pour les dauphins. Quand ils sont à la surface, les dauphins s'intéressent aux mouvements des oiseaux autour d'eux, car ils leur indiquent où sont les bancs de poissons. L'anatomie de l'œil du dauphin est telle qu'il est protégé de l'eau salée. Une autre spécificité caractérise l'œil du dauphin. Chaque œil peut se concentrer sur un point différent en même temps. Ainsi, le dauphin peut d'un œil regarder la direction qu'il suit et d'un autre œil surveiller un danger, comme une escadrille de requins par exemple. Quand cela est nécessaire, le dauphin peut fermer un œil et laisser ainsi une partie de son cerveau dormir. Ensuite, il ferme l'autre œil afin de mettre au repos l'autre partie du cerveau. Le dauphin ne s'endort par conséquent jamais complètement, ce qui lui vaut d'être toujours à l'abri du danger. Ceux qui soutiennent la théorie de l'évolution affirment que tous les êtres vivants sur Terre, et donc tous les appareils parfaits dont ils sont dotés, sont nés du hasard. Si cela était le cas, cela voudrait dire que le sonar et l'appareil visuel du dauphin sont le résultat d'une coïncidence. Mais qui oserait affirmer qu'un sonar électronique et un appareil photo sont le fruit du hasard? Avancer que le merveilleux sonar ou les yeux du dauphin, techniquement plus élaborés qu'un appareil photo basique, sont nés par hasard est illogique. La sophistication du corps du dauphin nous montre une seule chose. Dieu a créé les dauphins et il leur a octroyé les qualités que nous leur connaissons. La peau.
Les êtres humains tentent de construire des navires résistants à toutes sortes de contraintes, la plus importante étant la résistance de l'eau. Plus un bateau avance vite, plus forte est la résistance de l'eau. C'est pourquoi les ingénieurs hydrodynamiques s'efforcent de réduire au maximum cette résistance lorsqu'ils conçoivent des paquebots, des bateaux ou des sous-marins. D'ailleurs, la puissance des moteurs des navires est consacrée en grande partie à surmonter la force de cette résistance. Les dauphins aiment nager vite. Bien sûr, pour un navire, une telle vitesse irait de pair avec une grande résistance. En revanche, les dauphins ne connaissent pas ce problème, car Dieu, celui qui les a créés à partir de rien, les a dotés du système dont ils ont besoin. Leur peau et la forme de leur corps ont été conçus de sorte à réduire la résistance de l'eau autant que possible. Intéressons-nous maintenant à cette merveille. Dès qu'il se met à nager rapidement, une fine couche d'eau se forme le long de la peau du dauphin. Ce film d'eau s'appelle l'écoulement laminaire. L'élasticité de la peau est sollicitée lorsqu'une turbulence se produit. La peau doit alors se déformer dans un mouvement onduleux et dans le sens opposé de la turbulence afin d'en annuler la résistance. Il en résulte une nage douce et rapide. Cette performance est un véritable miracle de technique. Des ingénieurs sous-marins allemands avaient remarqué cette spécificité de la peau des dauphins. Aussi, après 4 ans de recherche, ont-ils réussi à fabriquer un revêtement de sous-marin avec les mêmes performances. Les sous-marins disposant de ce revêtement étaient alors capables d'augmenter leur vitesse de 25%. Est-il possible qu'une telle caractéristique, imitée par les hommes, soit le fruit du hasard? Ce corps sans faille
et la création d'une intelligence suprême. De toute évidence, Dieu a créé les dauphins. Les dauphins ne sont qu'un exemple du prodige technique de Dieu dans sa création. Pour ceux qui perçoivent la puissance de Dieu et son talent artistique, chaque être vivant dans la nature est une série de miracles. Dans un verset du Coran, Dieu révèle « À titre d'appel à la clairvoyance et un rappel pour tout serviteur repentant. » Sourate 50 du Coran, verset 8.